Bonjour YouTube, bonjour la famille, bonjour les amis, en direct de Mittersheim. Aujourd'hui, mardi 22 mars, le départ est annoncé pour un joli ride. Ah, je vous présente l'équipe. 2, 4, 6, 8 au départ, 9. Bon, allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Hop là. Ouais, c'est la première fois que je viens ici en VTT. Ouais. Départ Mittersheim, port autonome, canal des Houillères, direction Saverne, les étangs, Vondrexange, le stock devant René, à côté de moi Adeline, salut Adeline, Michel à ma gauche. Ah, il est ami, Michele, Michele. Derrière Florian, Patrick. Camille. Alors, température extérieure, au moins 17 degrés, je pense. Moi, je suis à 23,6. Ah, Claude est à 23. Bon, je pense que le thermomètre est dans la voiture, il est chaud. Alors là, tu peux observer Claude à son nouveau gravel. Ah. Le camping de Mittersheim et le vélo rouge de Claude. Ça brille, hein. Il est magnifique. Ça brille. Plein de gros plans dessus. Bon là, qu'est-ce que t'as ? Ouais, faut que tu passes devant la caméra. À gauche, la plage. Et sous les pavés, le sable. Sous les pavés, la plage. Alors aujourd'hui, le club, le CCS, le cycloclub de Saint-Rémy a décidé de délocaliser ses sorties hebdomadaires gravel et VTT. On se trouve dans un endroit absolument magnifique, les étangs de Mittersheim, pour une tournée dans les étangs. Température extérieure 21 degrés. Température intérieure 21 degrés. Légère hypothermie du côté de chez René, 21 degrés. Mais ça va remonter. Oh, tu vois, ça faisait pratiquement ça fait moins 6 mois que je suis pas passé par là. Et
écluse numéro 8. Là, on va s'enquiller les écluses. Les unes derrière les autres. Donc après la 8, il y a la 7. Je crois qu'il y en a 3 ou 4, non, les unes après les autres. Il me semble. Parce que ça monte un peu, tu vois, comme on va du côté de Saverne. Ouais. Pour passer la petite Cobosse. L'écluse de Belle Forêt. Là, c'est les chèvres de Belle Forêt. Hop. Écluse numéro 6. La traversée là, maintenant on est là. Là on est. Ouais. On va aller là. On va faire le tour là. Après, je vous montre là. Après, on va là. Là, il y a là. Voilà. Où il y a le croisement. Après, on revient là derrière. Voilà. Magnifique. Petite boucle de 248 km. Voilà, juste pipi. Alors, déjà, ah voilà, tu vois l'équipe là, tu vois. T'as tout le monde, ils sont tous là. C'est le réservoir du canal là. Bon, écoute, on va profiter de ce petit arrêt pour te présenter la nouveauté du jour. Voilà, ça s'appelle BH. Pour Beautiful Home. Es un bazooka nuevo que se compró el amigo Claudio. Un modelo único del siglo, del año 2022, pues. Que es una bici española. Bien, se nota. Alors, wow, attention, vélo en face. Bonjour. Pour info, on est bien neuf au départ. On est toujours au long du canal des Houillères. Il y a quelques promeneurs, quelques cyclistes. Patrick à ma droite. Pas mal de soleil, effectivement. Sympa. Allez, ça tourne. Adios le canal. Ah, mais c'est plus marrant ça. Hein? Ça monte légèrement. C'est du 5%. Ouais, c'est du 5. Et ça réchauffe, hein. Non mais j'aime bien crapahuter un peu quoi. Passer tout droit du canal, c'est moyen. C'est
Antoine. Ouais, ouais, je préfère, ouais, c'est plus marrant quoi. Autant en vélo de route, ça le fait parce que t'es dans un autre style quoi. Ouais, mais là en VTT, bon, il faut que ça arrive, il bosse. Ouais. 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 Ouais, ouais, c'est de la piscine. La bicyclade, non? Passant par Güdingen et tout ça. Ouais, c'est ça. Oh, yeah, yeah. Ah ah, ça devient sport. Le René joueur. Le René joueur, il nous fait prendre des petits ponts. Des petits ponts en bois, là, il aime bien ça, lui. Sauf qu'aujourd'hui, là, c'est du... Hello. Sauf qu'aujourd'hui, c'est du... C'est du terrain sec. Devant moi, Claude. Derrière, Alex. Devant Claude, Michel. Ensuite, Camille. Adeline. Patrick. Et René. Et c'est Florian que t'as vu à l'arrêt. Ah, je te montre, on fait un peu d'écotourisme. Ah, regarde ça, c'est magnifique. Waouh. Alors là, tu cherches le golf là. Bonjour. Ouais, tu vois, on arrive à Langatte. C'est un peu les privilégiés de Moselle ici, hein. Alors Claude, tu sais que c'est la journée internationale de la blague aujourd'hui. De la blague. De la blague. Alors j'en ai une bonne. Alors comment s'appelle la mamie que les voleurs détestent? Que les voleurs exècrent? La mamie qui épouvante les voleurs. C'est ma mitraillette. Ma mitraillette. Bon, ça fait rire personne. Mais sur une zone, il n'y a que des Allemands là. Beaucoup parlent Deutsch. Là, vous pouvez louer. Vous allez en bateau là-bas pour observer les oiseaux migrateurs le soir. Vous pouvez louer ça en amoureux. Alors, commune de Langatte, village lacustre. Tu sais, quand on était à. Tu vois, c'est quand on était à Artemar, là, magnifique. Tu vois là, ce qui est bien quand tu balades avec René, René la veille il ouvre les portes. Comme ça t'es pas. T'es pas retardé quoi. Alors Jean-Paul lui, il fait encore mieux. Jean-Paul lui, il enlève l'eau et il enlève les cailloux la nuit. Il passe avec son aspirateur, il enlève les feuilles mortes. Ouais.
Jean-Paul, si tu nous regardes, salut. Pierre, si tu nous regardes, saludos, compadre. Pierre, c'était Véloroute, non, c'est ça? Bonjour. Tiens, c'est déjà ouvert, c'est marrant ça. Hola, que tal? Ah, estupendamente bien. Tu vois, les gens parlent espagnol ici. Y'a que Florian qui veut parler japonais. C'est pour ça que je parle avec ta femme. Allez, on est loin de Kinshasa, mais en même temps, on est pas trop loin. Oh, c'est magnifique. Un mage. Là, on va sortir de la zone nautique. Poteau. Voilà, là, on quitte la zone nautique. Oui, c'est protégé des invasions. Et après, c'est un grand compte du secteur qu'il avait racheté, qu'il a transformé en maison. Et c'était là pour protéger la digue en cas d'invasion, s'il y avait des soucis. Alors là, vous pouvez encore voir des latrines. Ouais. C'est les anciennes latrines. Hein. C'est les WC. Ils faisaient caca, ça tombait par terre. C'était pas à l'époque, tout, hein. C'était le grand luxe. Hein. C'était le grand luxe. C'était écolo. Là, devant vous, sur votre gauche, il y a de l'eau qui coule. C'était prévu, comme la ligne Maginot aquatique. Ils pouvaient lâcher l'eau et inonder toute la vallée quand les Allemands. Ah, c'est là, tu vois. Et moi, ils l'ont pas utilisé. Parce que les Allemands. Alors René nous expliquait qu'en fait l'étendue stock, l'origine, c'était des moines en fait qui avaient créé cet étang pour justement s'approvisionner en poissons. Ça a été racheté vers 1700. On parle du 12e, 13e siècle, ça date pas d'hier. Pas mal de pêcheurs, beaucoup de barques. Il y a beaucoup de pêcheurs, hein. Voilà, il y a pas les bateaux, hein, pour les ramener bientôt. Ouais. Moi j'ai rempli le bateau. Étant réservoir du stock. Alors tu vois, tu peux louer des barques si tu veux aller te promener. Ah, il y a pour eux, tu vas louer, pour pêcher. Hein. Voilà Elodie. Elodie, Fredo, location de barque en amoureux sur le stock. Ça nous coûtera moins cher que la petite croisière fluviale là sur dans la vallée des Éclusiers, non? Ouais, ouais. Ah, c'est sublime, dis donc. Beaucoup, beaucoup de villas. Wow. À droite.
Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est vraiment super agréable. Température extérieure 19 degrés, c'est du single super large, c'est les petites bosses. Terrain vraiment agréable, c'est en gravel, tu t'éclates là. Alors lui nous disait que les temps là ils se rechargent en hiver et que là au printemps il est à ras-bord quoi. Il a des écouteurs, tu vois, il nous entend pas. Ah, on va passer un petit peu de merdasse. Ah, il faut toujours un peu de merdasse. Sinon, c'est pas marrant. Alors, on vient de faire un 180 degrés. A priori, René veut nous montrer une curiosité. Je me demande si ce serait pas la passerelle qui permettrait de... C'est même pas ça, je sais pas, on va découvrir ça. La passerelle est par là, elle est dans notre l'autre côté, hein, ouais. On parlait avec Michel de la passerelle qui te permet d'aller à Nancy. C'est-à-dire c'est le changement de canal. Donc, créé 12e siècle hein, par les moines. Profondeur entre 3 et 6 mètres de profond. Ici, il y a des carpes de 25 kg, là. Ils en pêchent, là. Donc, c'était fait pour l'élevage de poissons. Hein. Les curés, après, ils vendaient ça. Hein. Les moines, ils vendaient le poisson à l'époque. Hein. C'était le business, hein. Voilà, donc là, vous voyez le pont, le canal qui passe au-dessus de l'étang. Hein. Et là-bas, si tu vas un peu plus loin, après la tour, tu as Fribourg. Mais pas Fribourg voilà. En... T'as Fribourg. Ouais. Pas Fribourg en Suisse. Tu vois le parc ouais. Animalier. Oui, il y a le parc animalier là-bas. On va passer là-bas, tout ouais. Près avant. Déviation, j'aurais tendance à dire que c'est un peu logique. Ouais, c'est fermé depuis le 21, depuis mai de l'an passé. Ça veut dire quoi? Déviation. Ah, alors on fait déviation. Putain, c'est vraiment le pays du vélo. Putain, il y a des vélos à chaque intersection. Depuis des vélos. Waouh. Ah, oh, il y a le panneau. Oh, il est beau. Oh, puis c'est bien foutu, hein. Comment s'appelle cette commune? Diane Capelle. Voilà, on récupère la piste cyclable. Il est fort. Ouais, c'est bon. Claude, tes sensations? Extraordinaire. Je pense que demain on aura les jambes légères. Alors bon,
l'idée c'est de pas trop forcer parce que a priori ça devrait être difficile demain pour la sortie claudesque. Pas heure pour demain. La sortie claudesque. Alors je profite de ce petit segment tranquillou pour vous dire que on me souffle à l'oreille que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le canal. Donc ben, bravo à vous, ça motive pour faire de nouvelles vidéos. Alors à propos de vidéos, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est également gratuit. C'était la petite publicité. Je vous rends à la piste. Température extérieure, 20 degrés. Léger vent. Très léger. Voilà, on arrive au niveau de la passerelle. Donc on va quitter le canal des Houillères pour reprendre le canal de la Marnorin ou du Rhônorin, je sais plus. Je dirais Marnorin quand même. À demander à René. Donc on porte les bicous là-bas. Tu verras, c'est assez original. Voilà, tu vois, à droite, c'est Nancy, à gauche, c'est Strasbourg. Et derrière nous, c'est Sarreguemines. Wow. C'est une fois que c'était dans la lancée, bon, voilà, mais je n'arrivais pas maintenant à... Alors René, Patrick, Alex, Claude, Adeline, Florian. Voilà, le vélo il est poussé. Ben ouais, je vois ça. Le glisse. Hein? Attends, je vais passer si tu permets. Je vais juste passer. Hop là. Hop là, Pamela. Tu vois, l'avantage des vélos musculaires, c'est que ça pèse pas lourd quoi. Hop là. Alors, Strasbourg à gauche, alors, Nancy à droite. Vous allez là-bas, vous avez le donnant. Ah oui, et on voit bien. Si vous prenez le canal là, vous arrivez Sarrebourg, Saverne, Saverne, Strasbourg. D'abord, Sarrebourg, Saverne, Strasbourg. À Strasbourg, vous pouvez aller soit vers la mer du Nord, soit vous allez vers la Méditerranée, par le canal du Rhône, en queue en canal. Sur le côté là, vous allez sur Nancy, Metz, Thionville, et vous arrivez aussi sur le Rhin pour aller direction mer du Nord. Ah, et le train, non. Alors tu vois la passerelle, c'est assez bien foutu quand même, voilà, c'est sympa. Bon, allez, on continue. Et le Adolf, il a passé la nuit. On a un malade dans l'équipe. Ouais, c'est bon. Bon, moi, allez, vas-y Florian, vas-y Florian. T'es sûr, hein? Oh là! Fais pas le con, hein? Non, non, le problème c'est que. Fais pas le con, hein? Après, c'est mon tour. Allez hop, suivant! Bravo. Bravo. Patrick, c'est à toi! Nancy, 64 bornes.
présente le père Florian sur son fauteuil. Regarde, ça bouge de partout. Ça amortit les chocs. C'est hallucinant. Je pense que tu vois. Le confort, ça se paye. Le confort, ça se paye. Ça se mérite surtout. Tu vois ? Alors ça accélère vite. Les étangs sont plus hauts, hein. Ouais. Vous venez en été, vous avez pied là. Faut de lâcher l'eau, hein. Et donc l'eau elle comble sur quel canal? Comble le canal, ouais. C'est sympa, hein. Chaque fois qu'il y a une bouche qui s'ouvre, qui ferme, il y a de l'eau qui part. Hein. Ouais, je vous montre la devant, vous verrez combien de litres qu'ils ont vendu. Faut aussi savoir que pour déplacer une masse, les niches, c'est ce qu'il y a de moins énergique. Oui, ça oui. Ah, oui. Alors c'est l'ancienne, c'est l'usine, usine électrique. Il n'y a pas de... Garçon vit dangereusement. Il se faufile. Température extérieure 17 degrés, magnifique, c'est magique. C'est de l'écluse. T'as à remplir, bonjour. Donc quand ça se remplit, il y a beaucoup d'eau qui va dedans, hein, qui part après. Hein. Donc t'es obligé de compléter. Ouais. C'est pour ça qu'il y a les temps réservoirs. Alors c'est une des plus grandes de France. Hein. Des plus grandes, des plus hautes. Tu dois faire au moins 10 mètres d'eau. Là. Ouais. En bas c'est marqué, on va voir. Il rentre carrément dans les tons. Là, je te montre le dénivelé, quoi. C'est assez incroyable. Regarde un peu ça. Ouais.
ça c'est du D+. Ça se franchit une fois quoi. Hop là. Voilà. Et tu regardes en bas, ça fait des guillots au ventre. Allez, on continue. Altitude 268 mètres. Par derrière, suivre le, l'ancien canal et tu reviens par le impressionnant, hein, n'est-ce pas? Ah. 15 mètres, ça évite une 5-6 écluses. Alors là, on est en train de suivre l'ancien canal, ou plutôt les 6 écluses qui ont été remplacées par l'écluse précédente. Là, on est à 60 bornes de Nancy, en fait. On n'est pas loin. On pourrait presque aller voir Stanislas. Mais on rentre en TER. Là, tu vois le mécanisme. Oh, ils font leur Gilles, tu sais. C'est la, c'est la spécialité de Gilles, ça. L'église numéro 6. Ah, c'est la 6e. D'accord. Là, il y a jonction. Ah. Ah, c'est sympathique, hein, regarde ça. Ça fait une petite passerelle bleue. En fait, on va reprendre la, la piste cyclable du côté du canal de la Marne au Rhin, c'est ça? Oui. Allez, on va faire un truc qui n'est pas franchement autorisé, mais c'est pas grave, il n'y a personne. Wow!
putain. Ça, c'est du sport. Alors, kilomètre 39, température extérieure 17 degrés, magnifique soleil. On vient de quitter la grande écluse. Direction Sarreguemines. Casse-pattes, hein. En VTT. km/h, ça roule fort. Ça m'arrange. Oh là là, ça c'est du lourd. Tiens. Oui, Michel, tu veux pas prendre mon vélo pour voir comment il va, comment ça marche? Tu veux pas tester Décathlon? Claude, tu veux pas tester le Décathlon? Comme toi. Non. Hein? DSPD. Tu veux? Oh, mais c'est pas la taille. Le mien n'est pas là. Ah, il est quand même pas méchant. Il dit quand même, ouais, bon, ça se considère. Oh. Putain, mollo. Canal. On reprend le canal.